Salut tout le monde, aujourd'hui c'est Red Phoenix qui vous parle en direct de la chaîne Red Phoenix. Parce que j'ai pas de nom pour ma chaîne, c'est pas grave. On va tout de suite, on se retrouve aujourd'hui pour du Steve City Rome comme d'habitude. Enfin comme d'habitude, voilà quoi, vous me comprenez. Et on va commencer tout de suite la mission qui nous est attribuée, film. Ave Kester, c'est un honneur de rencontrer enfin le prodige dont tout Rome parle. Je suis Aurelius Crassus, et je suis ici pour vous aider. Voilà ce que j'ai à vous proposer. Il s'habillait. Si vous voulez vous élever davantage à Rome, vous devez viser plus haut que les mines et les villes que vous avez dirigées avec tant de brio. Il vous faut un projet plus ambitieux, et je sais exactement ce que vous devez faire. Fonder une nouvelle cité. Tarente, la perle du talon de l'Italie. Son sol pierreux et son solide brûlant en font un lieu parfait pour cultiver des vignes. Et plus Rome grandit, plus sa soif de vin aussi. Allez là-bas, trouvez un site parfait pour notre nouvelle ville et produisez assez de vin pour noyer tout Rome. J'ai demandé à ma banque de vous fournir une somme confortable. Organisez-vous et partez cette année. J'ai la certitude qu'aucun de nous ne sera déçu. Bon, super, on va faire une ville d'alcoolo. Excellent. Je vous laisse dire comme à chaque fois. Vous faites pause. Toujours pause. Hein. Si ça vous intéresse. Désolé la dernière fois si vous n'avez pas pu lire. Je l'avais mis en seulement 720. Voilà. Ave, gouverneur. Où doit-on implanter notre... Tu, je te connais, toi. Chaque fois, tu vas me faire la morale. Bon. Je m'y ferai jamais assez touche. Alors. Pouf. Bon, vous connaissez le classique, hein. On construit le forum, puis les maisons, etc. Où je pourrais mettre le forum? Tiens, ici. Gouverneur, des immigrants arrivent dans la cité. Les classiques, hein. Des routes. On va essayer de faire un truc plus organisé cette fois, vu que ça va être une grande cité, vous verrez. M'y ferai jamais ces touches. Bon, bah, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Oui, donc, la nouvelle série, vous avez pu voir, la série mini-jeux. Si vous avez d'autres attractions, je vous le répéterai jamais assez, mais dites-le nous. Je pense que ça plairait à tout le monde que ça ne s'arrête pas au bout de 10 épisodes. Parce qu'il y a 10 attractions. On va faire ça. Voilà, c'est mieux. Pour construire. Ouais, je fais des jardins parce que je suis un fifou. Fifou. Quel fifou, Mia. Quel fifou, quoi. Construit des jardins. Ça donne quoi, vu d'en bas? Ça rend bien pour l'instant. Puis de mettre quelques buissons. Mes préférés toujours. On pourra pas mettre de statues, je crois. Donc on va faire 100. Voilà. Plutôt pas mal, non?
Et puis de toute façon, je ne demande pas votre avis. Ave, gouverneur. Que voulez-vous rechercher ensuite? Recherche lancée. Vous n'avez rien à dire, hein? Bon, bah on va commencer au lieu de dépenser tous nos deniers dans des trucs inutiles. Remarque, c'est pour ça que j'aime bien jouer en facile, moi. Mais des routes partout. Non, pas là. On va faire le quartier résidentiel ici, et là on va faire les trucs agricoles, tout ça. On va essayer du moins. Donc notre objectif. La pierre, il y a de la pierre ici, on va tout de suite faire ça. Voilà. Un entrepôt spécial pierre, on va essayer de le mettre dans le coin. Tant pis, on va le mettre ici. Voilà. Il y a même des pierres de là-dedans, regardez. Ah, ça, c'est pas la classe. La recherche sur l'alphabet est terminée. Ave, gouverneur. Que voulez-vous rechercher ensuite? Là, je fais plein de recherches, trop utile. Voilà, donc je bac les routes ici. De toute façon, on ne s'y intéressera plus après. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire d'autre comme objectif? Une vente de marchandises. Grande massure. Ouf. Attention, ça a évolué. Donc, on va tout de suite faire la route. Pas de bouton. On peut prendre la même chose comme dans Anneau. Tant pis. Bing. 6 euros, 6 belles routes. Le bonheur des citoyens diminue. Mais j'arrive, j'arrive. Et à cause de toi, je fais n'importe quoi, espèce de conseiller. Ah, tu m'énerves. Tu fais n'importe quoi. Franchement, tu fous quoi de la merde. Il nous faut un sol dégagé pour implanter cette structure. Je sais. Ça fait bientôt un... Il nous faut un sol dégagé pour implanter cette structure. Ça fait 5 ans que je joue à ce jeu, je connais depuis. D'ailleurs, pourquoi c'est comme ça? Forcément. Encore une fois, que ce soit pas des gros bâtiments qui coûtent ultra cher. La recherche sur les mathématiques est terminée. Ave, gouverneur. Que voulez-vous rechercher ensuite? Est-ce qu'on peut faire déjà avec Duc? On peut pas, évidemment. Ça serait trop simple. Eh ben, bah, tant pis alors, on va mettre ça à la place. On va utiliser une technique. Je fais des tests. Ce boucher aura besoin des carcasses d'animaux d'un élevage de chèvres pour pouvoir produire de la viande pour la cité. Ok, donc ça sera perfect. Si je fais ça... La recherche sur le mysticisme est terminée. Bon, je la fais. Le bonheur des citoyens augmente. Tu les vois? Bon. Ça paraît pas très convaincant cette route. Voilà, bon, on va rester comme ça pour l'instant. Ici on va mettre un grenier, comme le joueur. Voilà. Ici un entrepôt, parce qu'il n'y a pas de raison. Devinez ce qu'on va mettre? Des bonanarbres.
des sapins. Il nous faut un sol dégagé pour implanter cette structure. Il nous faut un sol dégagé pour implanter cette structure. Le terrain ne nous permet pas d'implanter cette structure ici. Il nous faut un sol dégagé pour implanter cette structure. Vous avez de la chance, parfois je fais des routes plus longues et il parle encore plus. Je m'en fous, ça soit moche. Au moins, ça fait monter le niveau. Le terrain ne nous permet pas d'implanter cette structure ici. Bon bah. Le bonheur des citoyens diminue. Mais j'arrive, je suis en train de... Ah, il m'énerve. Je peux même pas faire une petite route tranquillement. C'est pas possible, ça. Franchement. Bon, dans cette session, on va essayer de bien commencer à rendre, vu que c'est une vie assez longue. Ça commence à devenir long. Mais je pense qu'on va y arriver à faire tout ça. Donc, ici. Si vous pouvez abattre cet arbre, ça serait sympa. Abattez-moi ça. Allez, plus vite que ça. Oh non, pas les petits. Bon, les petits aussi, si vous voulez. Chrome. Ave, gouverneur. Que voulez-vous rechercher ensuite? Dire, je fais n'importe quoi, faut que je fasse un élevage avant. Évidemment, il y a ça qui bloque. Oh, dégagé. Tant pis, je le ferai plus tard. Voilà. Il s'est passé quoi là? Ah là là. La recherche sur l'élevage est terminée. Merci. Mais ah, vous voyez, ça bug. Oh là 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 là. Pétage de câble. Il a battu la chef, tant pis, on va faire comme ça, ça me gonflera moins. C'est moche, on s'en fout. Tiens, voilà. Voilà, enfin. C'est pas trop tôt, bon. Donc est-ce que lui pourra aller le chercher? Bien sûr que oui. Enfin non, c'est lui qu'il faut qu'il aille chercher. Le boucher. Oui, je chante. Il nous faut un sol dégagé pour implanter cette structure. On va mettre tous les bâtiments. Comme ça, on sera plutôt tranquille. Gouverneur, cette cité n'a pas de réserve d'olives. Nous devons créer des exploitations d'oliviers. On fait ça. On te fait ça tout de suite, Jean-Pierre. Pour l'instant, on va faire comme ça. Juste histoire qu'il ne casse pas les pieds. Il me reste une boulangerie. Et là, on pourra rien y faire. Cette boulangerie a besoin de la farine d'un moulin ou d'un entrepôt pour fournir du pain à la cité. Le bonheur des citoyens augmente. Il y a intérêt. Bon, on va commencer à tout de suite parce qu'il en va nous falloir beaucoup. Si ça devient trop chiant au moment, je mettrai des ellipses parce que ça va durer beaucoup, beaucoup de temps.
Voilà, c'est très joli. Gouverneur, nous n'avons presque plus d'argent. Bonne nouvelle, gouverneur. Le Sénat nous a accordé un prêt. C'est pas grave, les prêts. On les dépense surtout au début. Bon, la mer. Bon, une plage de sable. De sable. De sable rocailleux. Bon. Avance. Bah non, évidemment, il n'y a pas de puits. Qu'est-ce que je peux être? Évidemment. Voilà, un puits. Ils peuvent tous y aller en plus. Excellent. Avec le gouverneur, que voulez-vous rechercher ensuite? Disait le puits à la recherche fin, lancé. Le puits à la fin, de toute façon, je vais le détruire. Et on aura un truc beaucoup mieux ensuite. Gouverneur, le niveau de remplissage de nos greniers est dangereusement bas. Qu'est-ce qu'on va leur falloir après? Le puits, ok, ça, ok, ça, ok. Où il y en a, ça, ok. Le menuisier et le temple. Celui-là, parce qu'il est rouge. Oui, il est bien ce truc, parce qu'on peut tout caser pratiquement dedans. Gouverneur, le niveau de remplissage de nos greniers est dangereusement bas. La recherche sur l'agriculture est terminée. On va battre là-haut et puis on va aussi abattre ici parce que ça va me casser les pieds à la fin. On va mettre un deuxième entrepôt, comme ça on sera tranquille pour un moment. Là. Très joli. Y aller dans ce putain de grenier. Papi. Ave, gouverneur. Que voulez-vous rechercher ensuite? On va tout de suite commencer, on va tout de suite prévoir. Là, je fais en mode walkthrough, je connais tout par cœur, tout ça. Parce que ça va me casser les pieds sinon. Alors, on va faire ça. La recherche sur l'exploration est terminée. Dans sa vie, toutes ces recherches. Gouverneur, le niveau ave, gouverneur. Que voulez-vous rechercher ensuite? On va tout de suite prévoir ça. On a déjà une vers Rome. Faudra qu'on fasse ça. Ils vendent du blé. Excellent, on va leur acheter du blé. Gouverneur, les greniers de notre cité sont vides. Thank you.
Toi, tu vas acheter. Toi, tu vas vendre du vin. 5, ça suffira. Est-ce que tu peux aller le chercher? Tu pourras aller chercher partout, toi. Toi, tu vas acheter du blé. 25. Toi, tu vas vendre de la pierre. Et toi, si tu vas vendre de la pierre pour l'instant. Est-ce que je suis un BGM? Je suis un BGM. Oh. BGM. C'est pas grave. C'est n'importe quoi. Je deviens fou, complètement fou. C'est toi le mulet. Ave, gouverneur. Ave. Gouverneur, le niveau de remplissage de nos greniers est dangereusement bas. On va faire d'autres exploitations pour ça aller plus vite. La recherche sur le cadran solaire est terminée. Elle est chiante cette map, elle est pas plate du tout. On va remettre un élevage. On va le mettre, on va essayer de le caler quelque part. Bon, on va le caler là, tant pis. Trouver l'intrus. Oh, puis non, je vais attendre et je le mettrai là. Pas mal, faites ça plus vite, vous. Vous avez besoin de copains. Travaillez entre bûcherons. Gouverneur! Le niveau de remplissage de nos greniers est dangereusement bas. Il l'est à chaque fois, je t'ai déjà dit, t'es casse-pied à la force. Bon, il évolue. Gouverneur, les greniers de notre cité sont vides. Ils ont quand même du mal à passer, il faudra bien qu'ils se dépêchent. Ça va aller vite, regardez, il reste plus qu'un, deux arbres. Deux arbres, ouais, ça va aller vite. Allez, on se bouge. J'ai mis le temps à fond. Ave, gouverneur. Que voulez-vous rechercher ensuite? On va essayer de faire une mission par épisode, vu que ça va pas vite du tout, vous voyez ça. Faut être patient dans ce jeu. Et là, ils vont avoir besoin de pain, et c'est là que ça se complique. Bon, pour le divertissement, pour l'instant, on a que des tavernes pour alcooliques. De toute façon, notre ville, il y a plein de vent dedans, on s'en fout. Ce n'est peut-être pas une grande nouvelle, mais le système routier de cette cité est fantastique. Gouverneur, le niveau de remplissage de nos greniers est dangereusement bas. C'est fantastiquement classe. Bon. Vos marchands ont acheté du ravitaillement vital à une cité lointaine. Gouverneur, les greniers de notre cité sont vides.
Le bonheur des citoyens diminue. On s'en fiche. Rien à foutre. Complètement rien à foutre. Les dieux sont bien vénérés par ici, mais je pense qu'on devrait en honorer un peu plus. Rien à foutre. La recherche sur l'outillage est terminée. Vos marchands ont vendu des marchandises à une cité lointaine. Ah, vous voyez, la pierre, ça augmente déjà. C'est bien. On aura bientôt plus à s'en soucier. Le plus chiant, ça reste le vin. C'est horrible, ça, le vin. Gouverneur, le niveau de remplissage de nos greniers est dangereusement bas. Silence. Raisin. Non, ça, c'est des dattes. Il leur faut bien... Je vais peut-être baisser le son de la musique. Paramètres. Musique, musique. Mettre à 60. Les bruitages à 60. Et la voix... L'empereur a épousé un cheval. Oui, c'est le test son. Bon. Quel idiot cet empereur. Je le connais même plus. Bon. C'est bien que leur système regardé, si on veut regarder trop près de trop près pour voir ce comment c'est, y a plus le toit. Enfin bref. J'aime bien regarder dans les bâtiments. Donc on a dit. Hein. Il faut leur faire un truc complexe à eux. Bord de la mer en plus. Dans la classe. Ah, comment j'ai piqué. Voici un message de Néron. C'est une belle cité que vous avez fondée. Il faudra que j'y vienne un de ces jours. J'y apporterai peut-être mes intrigues. Gouverneur, le niveau de remplissage de nos greniers est dangereusement bas. Gouverneur, les greniers de notre cité sont vides. Et là, on va mettre que... Les tonneaux, c'est où ? C'est aussi dans le... Ah bah oui, moi ça sert à rien. Excusez-moi. Pour le bruit qui a dû se dérouler. On a tout fermé à part ça et ça. J'ai oublié un. Ça, voilà. Un grenier spécialement pour eux. On va en mettre plus. Ça on en aura besoin. Parce que pour noyer Rome dans le vin, faut le faire. Je voudrais pas dire, mais quand même. Juste un tout petit peu. Où c'est les... C'est ici. Voilà, bon. Tranquille maintenant. Alors par contre maintenant, donc vous voyez, ils ont besoin de pain. Le problème c'est que pour faire du pain, il faut du blé. Et on n'a pas de blé. Donc il faut qu'on l'achète.